Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on prend start la dernière fois d'un World Food de Company of Heroes Tales of Valor, et plus précisément la deuxième campagne s'intitule La Chaussée. Et nous allons nous attaquer à la dernière mission qui s'intitule Le Château Gris. Les sections Able, Baker et le reste de la 82e division aéroportée ont été repoussées de Coquigny. Il leur reste peu de moyens pour sécuriser leurs objectifs. Excusez-moi. Les Allemands se sont retranchés et ont braqué leur mitrailleur sur la route de la chaussée. Je m'en excuse, je me fais les trois d'affilée, donc voilà, parce qu'elles sont pas très longues. Et je compte en aller et je vais probablement vous les mettre en plus l'une après les trois d'un en même temps hein, sur YouTube. Donc voilà. C'est un peu exténuant. Je vais pas vous mentir. Donc cette fois-ci, vous voyez ce que je reprochais. Le château gris, c'est l'objectif final de la mission. De la troisième mission. Et la première mission était quand même juste à côté, il n'y avait aucune troupe pour la défendre. C'est ça que je reprochais justement à cette campagne là, mais bon, on fait avec, je vais pas vous mentir, on fait avec. Bon, peut-être, c'est pas ma campagne préférée, elle est sympathique, mais bon, Tales of Valor, c'est vraiment pas mes campagnes préférées, vraiment pas. Après, à part si vous aimez faire de la défense, hein, ou vous trouvez trop abusé pour l'ennemi. On a plus de temps ! Le 4ème d'infanterie a besoin de cette route ! Les 1er et 2ème pelotons lanceront la première offensive sur Coquigny, suivi par les 3ème et 4ème. Je déconne. On peut pas envoyer quelqu'un là-bas. N'arrêtez pas de courir ! Suivez l'homme en tête et continuez de bouger ! Puisqu'on l'a miné. J'arrive pas à croire que je vais me faire équiper pour cette putain de route ! On se bouge! On se bouge! Allez! Allez! Suivez-moi! Et n'arrêtez pas de courir! C'est de la folie! Aidez-moi à passer de l'autre côté! Allez par là-bas! Allez par là-bas! C'était de la folie de foncer droit dans la défense allemande. Peut-être. Mais je n'y pensais pas. Il fallait que l'un de nous se lance en premier. Ça devait être moi. Eh oui! Vous voyez l'ironie, il arrive à passer tout seul. Il l'a fait. Il a réussi. Il a réussi. Il a réussi. Allez, 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 allez. On doit foncer là-bas. Chargez. Les paras. On se fout. On avance. J'irai là. Tirez. Tirez. Unité ennemie détruite. À couvert. Les Allemands battent en retraite vers le château gris. Notre premier objectif est de virer la défense anti-char de cette route pour nos blindés. Le deuxième est de neutraliser l'artillerie de renfort. Une fois neutralisé, battez en retraite et mettez le paquet sur le château gris. Mettons un terme à tout ça. En avant. Donc voilà, c'est vraiment la dernière mission. Détruisez ces canons anti-chars! Il faut dégager la route! À l'action! Les paras! On ne peut pas s'arrêter là! En avant! Chape en avant! Bah, nous avons plus vraiment besoin d'expérience. Honnêtement, à ce moment-là, je m'en fiche totalement de l'expérience. Hein. On peut pas s'arrêter là! C'est un manque d'espoir des cœurs. Ici le crap, on y va les gars. Et apparemment, d'après ce que j'aurais compris, à ce que certaines personnes m'ont précisé, avant que je filme cette mission, apparemment c'est des histoires vraies. Ça inspirait vraiment de faits réels. J'ai quand même du mal à le croire, mais bon. Bien joué les gars. Maintenant on va leur mettre une raclée. J'irai là. N'acceptez jamais la défaite du para. En avant. Passons, on y va les gars. Eh putain, là je me fais. Continuez à avancer! Allez! On peut pas s'arrêter là! En avant! Les gars! Cible détruite! 82e division, on y va! On doit détruire cette artillerie! Qui sait ce que ces canons sont en train de faire aux gars sur la plage? Les gens comptent sur nous. Au pas de course. Ma mission avant tout. Au pas de course. Suivez-moi, 82e division. 82e division, on y va. On attaque compagnie.
Attaque des troupes ennemies juste là-bas. Le statut de vétéran de la section Baker a affûté son sang. J'abandonnerai jamais. On soigne ici. Bah, il peut soigner tout le monde aux alentours, c'est... Continuez à avancer. Allez, pense à gauche. Il continue à s'amener. Bon, le défaut, c'est qu'après, tout le monde est un peu ralenti, mais bon. Unité ennemie détruite. On se bouge. Et nous avons un véhicule, la voiture blindée TK. Oui, T-17, j'allais dire T-47, excusez-moi. En avant. Tirez. Tirez. Carrefour nettoyé, voilà. On peut pas s'arrêter là. On se part. Avancez. Le crocodile s'occupe. Le but, c'est... moi, mon objectif, c'est vraiment de neutraliser le plus rapidement possible le carrefour. Quand je joue. Unité ennemie. Pour permettre à nos troupes en fait d'y arriver. Tout simplement. Et nous constatons qu'il y a un nouveau véhicule, le L4. Voilà, un oublié en moins. Maintenant, nous allons zigouiller les deuxièmes. Bon, ce véhicule-là, en fait, ça remplace la Greyhound. D'accord, bon. On va dire que c'est normal, normalement, ils peuvent pas traverser ça, et Sherman, mais bon. J'aime pas cette unité. J'essaye de trouver une utilité à cette unité, j'ai jamais trouvé. Ouais. Je trouve qu'Agren est tellement plus efficace que cette unité là. Unité ennemie détruite. Au boulot les gars. Restez sur vos gardes. C'est pas fini. T'as le nom. Sagoun en déplacement. Allez, on va nettoyer le château gris. On y est les gars. Une dernière offensive. Attention les gars. Passons à l'action. Tenez bon les paras. Ici le Sagoun. Bah nous, vous inquiétez pas, les troupes alliées passent tout droit. Par contre, j'aimerais bien qu'il me pose une charge explosive ici. Unité ennemie détruite. Est-ce qu'ils peuvent aller là? Non, ils vont pas plus. Bon, ils ont corrigé ce bug. Parce qu'il y avait un bug, je vous explique. C'est, on pouvait en fait aller ici. Bon, apparemment, ils l'ont corrigé. Hein. On peut pas s'arrêter là. En avant. J'abandonnerai jamais. Bon, vous les gars. Viens. Allez bon. Voilà. Vous voyez, en 10 minutes même pas, j'ai fait cette. Mettez-les en pièces. Oui, donc la campagne en elle-même, je l'ai fait. J'ai dû, je pense, mon avis, je pense à peu près même pas mettre une heure. Allez, on va dire une heure avec les cinématiques. Tigra, c'était à peu près pareil, on a duré. Unité ennemie détruite. Unité ennemie neutralisée. Allez-y, les parents. Donc là, c'est le potentiel vraiment primordial. Terminé. Peut étourdir sa cible, ça, mais bon, j'aime pas.
Un jour, un soldat m'a dit qu'on savait quand on avait trouvé un bon endroit pour mourir. Ça ne ressemblera pas à un sacrifice, mais à une opportunité. Cet instant sera évident et clair. La décision sera simple. La décision sera prise pour vous. Lorsque des centaines de vies sont en jeu, sa propre vie semble insignifiante. Mais parfois, un homme peut faire toute la différence. Monsieur Frank Grave a mené la défense au niveau du pont Mass, bon, face à un ennemi supérieur, je pense. J'ai pas pu tout lire, j'en excuse. Donc nous avons coupé tous les objectifs principaux, nous avons oublié le truc d'argent pour avoir nettoyé le carrefour. Donc les sections Ebel et Pecker ont sécurisé la chaussée, ont nettoyé la route menant à Cherbourg. Ah oui, j'ai oublié de préciser la première mission, oui. Ils nous ont une médaille d'honneur pour avoir terminé cette campagne. Et ça, vous verrez une fois que j'aurai fait la troisième mission. Ah oui, c'est normal que j'ai pas ces médailles là, c'est normal. Et vous voyez maintenant, il ne nous en reste plus que 4. Donc voilà, nous avons eu ces 3 médailles là. Médaille d'honneur, étoile d'argent, étoile de bronze et l'insigne de parachutiste. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Comme vous constatez, c'est encore très court cette mission. Donc voilà, bon, la prochaine fois nous attaquerons dans Compagnie au Furious of Valor à poche de la falaise. Mais bon, ça sort à la prochaine fois. Cette fois, donc je vous dis à la prochaine fois. Je vous dis portez-vous bien, à ciao tout le monde. Et encore une fois, à la prochaine fois. Encore merci à toutes et à tous de me suivre. J'espère que au moins cette vidéo vous aura plu. Allez, à ciao à tout le monde.